Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chasse Pokémon Go. Je vous ai également rajouté un petit raid Kyogre pour qu'on puisse compléter notre équipe de Kyogre. Je vous laisse sur les images. Allez, c'est parti. Regardez, on a un tout petit Spoink. Faut vraiment avoir une loupe pour le voir lui maintenant. C'est pris, c'est cool. Allez, nouveau Pokémon, le Celeroc. Je l'avais encore jamais vu. Wow, 2100, 2010, 2010, c'est énorme. On va pas prendre de risque parce que j'en avais encore jamais vu. Ah ouais. Et on le prend. Excellentissime. Excellentissime. Donc je sais toujours pas si du Solerock est disponible en France. En tout cas, nous, on rentre le Celeroc. Et c'est plutôt cool. Alors on a un petit œuf de kilomètres qui est forcément de la 3G. Bon, j'ai raté plein d'éclosions de dont le Cracnoa malheureusement, que j'ai immédiatement mis en copain. Et on a un simple Chenipot. Et là, regardez ce qu'on a. Un champignon sauvage. C'est plutôt cool. Bon, je pense pas qu'il est bon, mais... Puis même, de toute façon, il est à 460. On va le tester. Ah, c'est une merveille. Alors, ok. Tester, puisqu'on arrive à en choper maintenant. En faisant n'importe quoi. C'est en faisant n'importe quoi qu'on attrape Kyogre. Eh ouais. C'est comme ça que je les attrape, moi, maintenant. Allez. Oh, on va avoir un coup. On va essayer de l'attraper. Oh. Quelle histoire. Allez. Ah, le premier super qui passe pas. Le deuxième. Allez, troisième super. C'est bon, ça rentre, on enchaîne. Bon, on a trouvé un petit Galégon. Alors on a déjà fait plein de Galéking, mais bon, c'est toujours sympa. Je vous avais pas filmé le Galégon et là il est assez... dites-moi, il est badass. Je sais pas s'il vaut le coup. Change de tactique. On va essayer de faire des bonbons. Ah. On va essayer de l'attraper du coup. Hop là. Très mauvais tir.
Ah là là! Oh là là, super! Et voilà, c'est attrapé. On va quand même le tester. Vous voyez, je peux encore faire deux Galley King. Ah, retenez mon attention, donc il est pas génial. On est tombé sur un Pokémon qu'on ne croise pas souvent quand même, hein, c'est le noix de coco. Donc là, il est favorisé par le vent. Il n'y a pas de vent, mais... là, déjà, au niveau PC, on n'est pas terrible. Hein. On n'est pas terrible, on n'est pas sur du... on n'est pas sur du gros noix de coco. On va voir si au niveau... et au niveau IV non plus, donc on va pas le garder. On est tombé sur un Masco, c'est pas tous les jours. Je vais essayer de pas prendre trop de risques. Ouais, il est bien orange, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il a le réseau là? Bon, on a un réseau complètement saturé, on va bien voir ce que ça donne. Oh là là, mais... bon, bah, on a attrapé le Masco, hein. Un gros souci de réseau quand même, hein. On va essayer de se prendre le Wellmer. Excellent. Super. On avance vers notre deuxième Wellord. 303, on est bien avancé, on a fait les trois quarts. Moi, je vous ai coupé la caméra parce qu'il fait nuit. Tout simplement. Et là, on est tombé sur un pifeuille. 487 PC, on va essayer de faire des bonbons. Oula, j'ai complètement raté mon tir. Mais ça passe quand même. Le pifeuille. Qui n'est pas bon. Ah, et petite chasse nocturne, et on a trouvé un Celeroc. La pression là. Oh, petite capture critique, impeccable. Un Karatroc, c'est vrai que c'est assez rare. Ah, je le vois pas. Hein. J'avance peut-être. C'est vraiment de la chasse à la lampe de poche là. Ah, mais il y en a deux! Des Celerocs. C'est le deuxième qui a remplacé Crapasse. Ah, dommage. Parce qu'il y avait un des Crapasse. Putain, mais il veut pas rester. Attention, c'est le bordel. Petit Karatroc. On va se prendre un petit Celerocs. Il est peut-être un peu mieux. On va se mettre du son. Allez, petit Machoc. Racaillou, Machoc.
Ok, super. Bon bah les crapins, ça a disparu malheureusement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner à mon compte Twitter. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!